Pour comprendre tout ce qui a passé dans le domaine spiritualité, culture, religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Fednel François, n'a pas appelé aussi Indigo. Nous disons bienvenue sur Chanel, Pierre-Richard Guillaume Info, avec vous-même. Nous allons parler de principales missions. Tout d'abord, d'un Indigo, d'un cristal et d'un travailleur de lumière. Moi, salut encore. Moi salue au PRG, moi salue tout super branché Chanel là. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi-même pour me caler ensemble avec nous et pour nous parler de très bel sujet ça. Qui ça qui yon indigo? Historique yon indigo. Alors, qui ça qui yon indigo? Et non indigo en côté de sorti, c'est yon voyante dans les 1900 yo. C'est yon voyante que yon les Nancy Antep. Et qui lui-même qui t'ai remarqué que il y a une série de petits monde qui a fait et que petit monde ça aux couleurs orayo c'est indigo. Couleur qui indigo a c'est une couleur bleue et bleu que nous qu'on voit dans indigo nous qu'on laver. C'est couleur ça que relie indigo. Alors et voyant ça lui-même il t'ai remarqué que une série de petits monde qui a fait et que couleur orayo c'est indigo que couleur orayo est et c'est de là que nom enfant indigo est venu. Donc qui ça qui yon indigo? Alors Jean de Timon ça qui t'a fait ensemble avec et couleur aura indigo hein? C'est des capable dire c'est des âmes qui incarnées et qui viennent en mission sur planète là. C'est des âmes qui sorti ailleurs dans d'autres systèmes stellaires et qui viennent sur planète nous hein? Pour capable aider l'humanité en phase de transition ça que lié hein? Donc c'est donc il y a plusieurs types de âme dans âme ça y a gain les indigo gain les cristal gain les arc-en-ciel tout et que PRG sont parlé de tout à l'heure mais indigo yo c'est une catégorie que nous-mêmes c'est nous-mêmes les hommes qui choisit capable dire que telle catégorie c'est indigo telle catégorie c'est cristal bien telle catégorie c'est arc-en-ciel mais seulement et globalement c'est des âmes qui pire évoluent spirituellement qui juste venir capable dire souterrain dans réalité ça dans dimension ça pour capable porter support yo ba humanité pour capable aider humanité évoluer pour humanité pas aller à la perdition. Comment yo a aider l'humanité? Et OK, là faut nous comprendre et ça que yo les conscience collective là. On va laisser pour un petit exemple. Et on garder un réseau informatique. Un réseau informatique qui formé de plusieurs ordinateurs qui liés. Bon, disons, on parle d'un réseau local. Ça veut dire, une entreprise, il y a un réseau informatique. Côté que l'ordinateur secrétaire, l'ordinateur administrateur, ou bien l'autre monde qui travaille là-dedans, que tout ordinateur, ça, eux-mêmes, ils sont connectés entre eux. Ils sont connectés avec un ordinateur central, tout. Et qui c'est ordinateur central, entreprise là. Donc, ordinateur, ça, ils ont formé un réseau. Par exemple, si on apprend des entreprises, donc la NASA gagne un réseau informatique, ou bien Digicel gagne un réseau informatique, Natcom gagne un réseau informatique, c'est un ensemble d'ordinateurs qui connectent entre eux. Quand il y a là ordinateur ça eux-mêmes, automatiquement on gagne accès à un ordinateur yo, ou capable d'utiliser grand ordinateur ça pour aller chercher données dans l'autre ordinateur qui fait partie du réseau. Hein. Dépendamment de restrictions que vous mettez, parce qu'il y a une série de restrictions que vous mettez, et pour entrer dans une série de données qui sont confidentielles sur l'ordinateur, une série de codes pour qu'on ait, donc ça va demander une sorte de piratage. Mais en général, automatiquement, vous avez accès à un ordinateur ou un réseau, hein, donc vous avez accès avec toutes
ordinateur qui forme réseau. Donc ordinateur qui forme un réseau. Et bien c'est même j'ai ensemble avec conscience collective là. Et mental moi-même et moi-même Fidnel étant que personnage, personnalité Fidnel là, il y a un mental et personnalité PRG là, il y a un mental et nous chaque qui là qui regarde là, nous gagne un mental, bête yo gagne un mental, plante yo gagne un mental et miné yo gagne un mental, planète nous gagne un mental. Donc tout mental ça yo formé un réseau, yo connecté yo ensemble avec l'autre et c'est raison ça qui fait que nous toutes et nous ouais réalité extérieure la même gens. Ça veut dire de yon là nous tous les deux nous ouais même kay la, nous ouais même machine là. C'est parce que en quelque sorte mental nous connecté et nous gain accès à même information yo. Koun ya la comment et indique yo fait pour yo aider et mental être humain yo. Yon nan baga pour nous comprendre c'est que c'est mental nous qui crée réalité que nous vivons là-dedans là. C'est ça que nous gain dans mental nous que nous pral nourrir avec émotion qui pral et créer réalité que n'a pas observé. D'ailleurs, c'est une loi cosmique, c'est première loi cosmique là qui c'est la loi du mentalisme qui explique nous que et toute bagarre prend naissance dans le mental, il prend naissance dans l'esprit, toute bagarre sorti dans le mental. Donc réalité ça que nous observons, que n'a expérimenté, c'est un produit de mental nous. Donc c'est conscience collective là qui crée une capable de réalité ça que n'a pas observé. Donc si au sein de mental de conscience collective ça de mental collectif ça de réseau de mental ça ouais m'balé plusieurs non c'est pour capable bien comprendre. Donc si au sein de mental collectif ça on capable dire nous gain des vibrations qui très bas, ça veut dire nous penser négatif, nous gain des une activité mentale qui négative. Donc réalité que n'a créé ça avec mental noir son réalité qui négative. Et c'est de même si et mental nous gon mental qui gon vibration très élevée côté que n'a créé des barrières qui basées sur la lumière et qui entre en harmonie ensemble avec et loi cosmique qui entre en harmonie ensemble avec l'univers ensemble avec les fréquences de l'univers, les fréquences de la planète. Donc le ça n'a créé une réalité qui plus harmonieuse pour nous capable évoluer. Donc et là c'est un point clé que faut nous bien comprendre, c'est mental collectif là qui crée réalité ça qui n'a vivre là. Donc tout ça on a expérimenté de yo insécurité, grand goût, famine et tout ça que nous ouais que n'a expérimenté yo, c'est à cause de ça que nous gagne dans mental nous qui crée capable dire et réalité ça yo. On y a là comment que indigo yo bien l'autre travail de lumière yo pral aider nous. C'est que même j'avais réseau informatique là, imagine que ou entre un ordinateur ça gagne de nouvelles informations là-dedans. On nouveau ordinateur ou connecté avec réseau hein. Donc réseau a vini update, réseau a gagné de nouvelles informations là-dedans. Et ben c'est plus incapable dire ordinateur qui a vini yo gagné incapable dire des capacités qui développer. C'est des ordinateurs qui ca font série de calculs vraiment avancé, c'est plus réseau en lui-même n'y a pas avancé tout. Et yon l'autre exemple que nous capable prendre et comment nous capable ouais et incapable dire impact que travailleur de lumière yo a fait son nom. Imaginez-nous que et l'humanité dans ténèbres. L'humanité sont c'est les ténèbres, nous dans les ténèbres. Et que imaginez que chaque travailleur de lumière, c'est un bougie qui l'humain. Donc chaque travailleur de lumière, c'est un bougie qui l'humain. Donc automatiquement il y a une graine bougie qui l'humain. Donc graine bougie ça même si son seul bougie, il suffit pour éclairer toute une pièce. Et c'est comme ça présence travailleur de lumière yo, en fonction de façon qu'il a vivre, en fonction de ça qu'il a projeté comme lumière dans fait noir qui dans conscience collective là, il a porté plus lumière dans conscience collective là. Yon autre exemple que nous capable prendre et nous connaît que yon ti moun qui élevé dans yon milieu que élevé là dans la gagne tendance influencer li. Par exemple, si yon ti moun li élevé dans famille côté que papa volé, maman volé, frère volé, sœur volé, tout mon entourage a volé. Donc il gagne tendance et subit influence ça pour lui-même pour venir voler tout. C'est de même tout et si mon entourage dit c'est religieux, il gagne en pile chance pour venir en religieux parce qu'il a subi influence. C'est de même tout si mon entourage dit c'est vaudouisant, il gagne en pile chance pour venir vaudouisant. Qu'on a la différence qui gagne ensemble avec et travailleur de lumière yo. C'est que ti moun sa ki fait nan famille nan quelque soit famille lumière ki nan li tellement fort, énergie ki nan li tellement fort que influence
extérieur pas ka vinn défini qui est ce lié. Au contraire, c'est lui-même qui a influencé, on capable dire atmosphère lien. Donc au lieu que c'est entourage qui t'a défini ni qui t'a bali des une personnalité qui t'a bali une série de caractères, au contraire, lui-même lui tellement gon énergie et lumineux à l'intérieur de lui-même, lui tellement puissant que c'est lui-même qui influence l'entourage. Ou quand ouais par exemple tout mon entourage dans été volé et que automatiquement tout monde ça fait tout monde ça gon lumière à l'intérieur de lui-même, il gon façon que le bagaille, il gon façon la parler avec mon entourage li, et que le fait mon entourage prend conscience de ça qu'il a fait et que il fait au changer de il fait au changer de mode de vie, fait au changer de attitude. Alors c'est comme ça travail de lumière yo même yo travail. C'est dans propager lumière qui à l'intérieur de eux même là, propager lumière ça dans conscience l'autre monde pour capable élever niveau vibration conscience collective là pour capable et aller dans une réalité qui non qui gagne une fréquence vibratoire qui plus élevé côté que nous capable évoluer sans problème. D'accord, ça qui différencie un indigo avec un arc-en-ciel et même question ça un peu plus tard malmando ça différencie un indigo avec d'accord un travailleur de lumière. Bon, yon indigo m capable de c'est un travailleur de lumière. Yon cristal c'est un travailleur de lumière. Yon arc-en-ciel c'est un travailleur de lumière. Alors et ma pour une petite parenthèse c'est que le n'a pas de travailleur de lumière là, nous obligé utiliser mot lumière là. Mais c'est pas que les ténèbres sont bagay qui négatif. Ça va veut dire que les ténèbres sont bagay qui négatif, mais comme nous obligé utiliser un mot et nous obligé faire yon utiliser une métaphore pour nous capable plus comprendre et comment capable dire travailleur de lumière ou même y a travail nous relier au travail de lumière, nous utiliser terme lumière là parce que lumière que n'a utilisé au plus ou moins façon que lumière au comporté au plus ou moins semblé et au plus ou moins semblance avec façon que être ça au même au travail, c'est ça qui fait relier les travailleurs de lumière. Et qu'on y a là question piégée, c'est les différences qui gagnent entre indigo avec et un travailleur de lumière. Yon indigo son travailleur de lumière, yon cristal son travailleur de lumière, yon arc-en-ciel son travailleur de lumière et toute qualité l'autre instance qui est incarné pour venir aider et pour venir participer dans l'évolution être humain là, dans l'évolution espèce humaine là, pardon, c'est des travailleurs de lumière que oui. Mais quand il a là travailleur de lumière ça yo, nous-mêmes les hommes nous parce que nous-mêmes les hommes nous aimons créer groupe, nous aimons catégoriser. Ça fait nous relier un peu indigo, nous relier un peu cristal, nous relier un peu arc-en-ciel, nous baillons toute qualité non, mais en général nous tous aussi des travailleurs de lumière. Yo tout yo en gros yo gagne même mission qui c'est participer dans évolution espèce humaine. Mais est-ce que yo tout gagne même dimension? Parce bon, que moi yo sorti d'horizon divers. Yo tout yo pas gagne même dimension parce que gon série de j'en t'ai dit tout à l'heure que c'est des âmes qui sont sorties dans l'autre système stellaire sur l'autre planète. Donc dépendamment de et dans qui espèce que yo sorti, yo gagné des capacités qui plus ou moins développées. Par exemple, yon arcturien et il y a des capacités qui différent de yon pléiadien. Par exemple, gen doit arcturien, yo gen doit plus yo gen doit plus capable de développer une série de capacités qui lient ensemble avec la guérison, tandis que gen doit pléiadien yo même yo développer plus capacités qui lient ensemble avec l'autre bagaille. Ou bien doit par exemple et les lyriens yo développer des capacités qui lient ça avec l'autre bagaille. Ou bien doit les andromédiens yo développer des capacités qui lient ensemble avec l'autre aspect. C'est pas que yo pas maîtriser tout aspect, c'est pas que yo pas grandi spirituellement, mais ils sont capables de yo gagner des points forts. Donc chaque race eux-mêmes yo gagner des points forts. Par exemple, c'est même bien tout si l'espèce humaine t'arrive à atteindre un niveau spirituel, nous même espèce humaine a gagné des points forts. Peut-être que point fort nous c'est dans la technologie et peut-être que point fort nous c'est dans pas connait dans la création ou bien peut-être que point fort nous l'y a dans la guérison ou bien dans quel pas connait dans quelque soit aspect. Hein. Donc chaque espèce dépendamment de matière qui forme espèce ça dépendamment de façon que l'été évolue, il vient développer des points forts, des talents, même gens nous voit que yon être humain ni même ni gagne des talents. C'est comme ça espèce yo même yo gagne des talents. Et espèce tout yo pas gagne même l'âge, gagne qui était là avant l'autre, gagne qui puis évoluer que l'autre, bien que yo fait des échanges, mais gagne qui gagne des millions d'années d'évolution sur l'autre, gagne qui n'ont série de dimensions, gagne l'autre qui n'a dimension qui puis élevé, mais ça pas veut dire que yo pas travaille ensemble, ça pas veut dire que yo pas communiquer et ou joindre travailleurs de lumière qui sortent de différents horizons ça yo qui viennent incarner parmi être humain
qui fait que yo chaque et yo pote yon bagay qui différent même si en gros yo gagne en gros gagne même mission qui s'est participé dans éveil conscience collective qui impact et travail par exemple un cristal a fait un indigo a fait un arc-en-ciel a fait qui impact ensemble de travail a réalisé gagne sur ça que dans les réalités et difficile à vivre dans monde là. Bon, et d'abord et gonti différence tout petit, yon indigo c'est plus yon guerrier. C'est-à-dire yon indigo lui-même son âme guerrière qui vient combattre. Qui ça li vient combattre? Li vient combattre et capable di et système ça qui implanté en là qui kembe espèce humaine là dans sorte de matrice ça dans sorte de illusion ça qui empêchait que li évolue spirituellement. Donc indigo yo même yo vini pour ça, yo vini pour yo combattre, yo vini pour yo détruire système ça. Mais ça va veut dire que pendant que yo vini pour yo combattre là, yo toujours gain même capacité en gros ensemble avec l'autre type yo. Comme si c'est des monde qui hypersensible qui très évolué spirituellement et qui gain des dons qui développer des capacités psychiques qui vraiment développer on sait des capacités qui vraiment développer la gayo mais en général indigo yo même yo pi capable di guerrier yo pi guerrier yo venir pour yo combattre et système là et capable du cristal yo même yo toujours les mêmes capacités hypersensibilité l'autre talent qui très développer la gayo et puis mais yo même c'est là que j'ai non cristallin c'est parce que aura yo même ni très transparent cristal yo même yo une raison qui fait ba yo non cristallin tout c'est parce que en quelque sorte yo ba même propriété avec cristallin ça veut dire yo refléter la lumière sous prend yon cristal ou projeter lumière là sur lui qui s'est passé c'est un matériau qui pi pur c'est un matériau naturel qui pi pur dans tout matériau naturel qui gagne et qui pi pur par rapport à la lumière donc yon cristal et les refléter lumière là avec une sorte de pureté ça fait après un cristal son monde qui très pur qui le plus souvent qui introverti par rapport à indigo qui est plus extraverti parce que il y a une sorte de combat il met tête dehors cristal yo même yo plus introverti yo plus rete pour quoi yo plus timide et comparativement à indigo mais aussi des modèles si des monde qui observer si des monde comme si qui gon on bagay kap émaner de yo qui gon sorte de lumière on sorte de l'amour kap émaner de yo c'est des monde que nous remet sans raison nous juste remet au sans que nous pas même connait yo alors quand c'est lui même yo un peu plus extraverti que cristal yo et pas dit plus que indigo yo non parce que c'est indigo qui plus extraverti parce que c'est des guerriers même parce que en termes de expression ou gen indigo yo dessus après ça ou gen arc-en-ciel yo et puis ou gen cristal yo en dernier donc arc-en-ciel yo même yo plus ça fait reler arc-en-ciel c'est parce que et dans aura yo joine et sept couleurs yo et couleur arc-en-ciel yo ça fait reler en frère arc-en-ciel donc c'est des monde qui polyvalent c'est des monde qui aller à l'encontre de la société c'est des guérisseurs que yo yo même avec indigo avec cristal yo gen capacité de guérison mais incapable d'ou arc-en-ciel yo même yo gen yo plus aller à l'encontre de moun yo plus sociable yo plus entrer dans activité sociale yo plus impliquer au dans développement social dans créer lien et tout ça yo c'est des moun qui très mature en termes de relation ensemble avec l'autre monde donc ça c'est des caractéristiques qu'on capable joindre la caille et un arc-en-ciel. Est-ce que ou ca joindre un travailleur de lumière qui gagne et tous les trois facettes ça qui à la fois indigo qui à la fois et capable dire cristal qui à la fois arc-en-ciel. Bon oui ou capable joindre parce que pour qui ça ou capable joindre un bon exemple sur un indigo il gagne caractéristiques que un cristal gagne ou un arc-en-ciel gagne. Pas bien que c'est nous-mêmes être mais qui mettait étiquette sur yo. Mais lion à m'a incarné, il va venir dire moi-même va l'incarner comme indigo bien comme cristal ou bien comme arc-en-ciel. Avant lui même juste connaît que il gagne un talent. Il juste dit tête lui OK, il va partager talent ça ensemble avec être humain pour ça capable aider être humain évoluer. Vous comprenez? Mais talent ça disons que son talent de guerrier côté que son monde qui capable combattre qui gagne courage qui gagne méthode même ben parler de combattre là c'est pas seulement dans le plan physique mais son combat physique émotionnel mental et spirituel c'est des vrais guerriers spirituels que vous voyez donc moun ça senti énergie ça la cali il dit OK comme moi humanité en bloqué moi prêter humanité et talent moi
et m'a prendre humanité en service, n'a participé dans combat ça que humanité gain pour mener. Donc et comme si yo proposait tout comme des soldats. Donc et ça pendant que le pauvre était comme un soldat, ça va lui dire qu'il pas gain lumière à l'intérieur de lui-même, ça va lui dire que il pas pur, ça va lui dire que il pas gain l'autre capacité comme si guérison ou bien et magnétisme qui très développé hypersensibilité. Yo gain tout ça yo dépendamment de indigo bien sûr, dépendamment de origine parce que j'aime ça dire tout à l'heure, chaque espèce yo gagne des talents qui développer la caillou, c'est ça qui fait par exemple capable un indigo qui sorti dans telle espèce li imprégné de tel talent, un cristal qui sorti dans telle espèce li imprégné de tel talent, ça qu'on y ensemble avec origine capable dit travailleur de lumière ça. Mais en général yo gagne même si des âmes qui évoluent spirituellement, si des âmes qui développent une série de talents la caillou, qui développent une série de capacités, qui atteignent une dimension de lumière et que juste vini en mission. Logis vini en mission. Donc, chaque yon choisi aider l'humanité en an façon pa yon. Mais en gros, yon gen même arsenal. Mm-hmm. Est-ce que spirituellement ou humain pa ka travail tête li pour di bon, m'bral travail tête moi pour m'venou indigo, m'bral travail tête moi pour m'venou cristal, m'bral travail tête moi pour m'venou travailleur de lumière ou bien arc-en-ciel. Est-ce que cela peut se faire? Oui, yon humain ka fè li, mais yon humain. Comme si un peu de monde pose une question ça, comment pour faire pour venir indigo? C'est pas ça qui est important, venir indigo ou pas. Ça qui est important, c'est qu'on ait mission. Ça qui est important, c'est qu'on tête ou qu'on ait mission et qu'on comment pour participer. Parce que c'est même genre par exemple, disons que Haïti est en guerre contre un autre pays. Gen moun ki gen ki kon goumen ki gen talent soldat. Si ou même c'est soigner kon soigner moun, ou pas poser tête ou question quête. Qui j'ai pour me faire pour me venir en soldat? Non, c'est pas ça qui est important. Ou gain talent pas ou ka participer dans bataille là dans façon pas ou pas obligé à aller en guerre là, mais ou ka arrêter comme on cap soigner blessé ou cap soigner soldat. Donc ou toujours participer dans combat. Vous comprenez? Donc c'est même genre on monde ça important c'est pas et besoin qu'on ait est-ce qu'on sont indigo bien est-ce qu'on pas indigo. Ça qui est important c'est focus sur même, c'est pas essayer mettre tête dans petit groupe. Pas essayer mettre tête dans groupe. D'ailleurs même moi avant pas de jambe vraiment qu'on utilisait terme indigo. Son commentaire m'était capable de dire que m'était remarqué sur yon. Et en bas une émission que m'était fait et que moi commentaire ça moi moun yo gen tendance comme si yo aimé marketing, yo aimé étiquette, l'homme met une étiquette sur un bagage et yo aimé titre, alors m'était dit OK bon. Il est pour m'utiliser titre indigo et que m'utiliser, mais c'est pas titre là qui est vraiment important qu'on ait que me soit indigo ou pas. Ça qui est important c'est qu'on qui est souillé et fait travail qu'on gagne pour faire. C'est pas gain titre ingénieur qui est important, mais c'est capable de c'est et architecture qui va c'est construction qui va faire. C'est pas gain titre médecin qui est important, on a toujours gain titre là mais on pas médecin. Ça qui est vraiment important c'est ça qu'on fait comme travail là. C'est pas titre là qui est important. Donc yon être humain et automatiquement chercher ça que gagne la cali comme talent, m'pa di la vini yon indigo non, mais le ka fait même travail que yon indigo a fait. Ça veut dire li ka si li gon talent de guerrier la cali, si li gagne yon âme guerrière, li ka participer dans combat même avec yon indigo a fait. Le ça pas gagne trop différence entre lui même avec yon âme indigo qui incarné, c'est juste que peut-être yon pas sorti parmi même espèce, yon pas sorti et de même souche et il va sortir dans même race et que mais en gros il a fait même travail là, ça arrive que il pas gagner même âme, il pas gagner même arsenal, mais en gros il a fait même travail là. Donc un guerrier qui a goumé un bout de bâton avec un guerrier qui a goumé avec un épée ou même un qui a goumé avec une mitrailleuse, c'est trois guerriers qui oui. Même de penser que indigo arc-en-ciel là ou bien cristal là, me penser que tu es tout vienne sauter à tout cristal tout indigo. C'est exactement ça. Parce que depuis au fait l'inventement mais autour sorti cristal et comme ça. C'est exactement ça. C'est ça qui fait me dire que il aurait tout même pas besoin d'entier tête li pour venir indigo, parce que monde qui indigo en fait comme ça. Dans vie ça il fait comme ça. Et pour lui fait comme ça dans vie ça son travail spirituel qui fait pendant des vies antérieures, il passer plusieurs vies pour atteindre niveau de spiritualité ça. Pour atteindre plein potentiel yo avant que yo vini incarner vinn participer là. Donc yon indigo c'est pas
c'est pas on travaille que on pense au pral dans green visa ou pense que OK dans green visa on va venir indigo ou bien dans 2 3 ans on va laisser venir indigo et bagala li pas comme ça et yon indigo c'est pas une volonté de personnalité qui au gagne c'est pas une volonté qui sorti dans ça qui au même gagne comme programmation yon indigo c'est une volonté de l'âme c'est âme nan qui vini en mission c'est mission âme nan. Donc c'est ça qui yon indigo c'est pas par exemple moi même là qui rete avec mental moi dit OK m vle vini indigo non li pas aussi simple parce que m'y doit vle vini indigo mais c'est pas mission ça que à moi li même li ban moi m'pa gen mission yon indigo m'pa gen mission de guerrier vous comprendre donc yon être un indigo ou bien un cristal ou bien un arc-en-ciel son bagage qui causal ça veut dire sorti dans le plan causal son bagage que l'âme lui-même li ba nous comme mission c'est pas un monde comme si qui était comme ça il dit OK moi vais venir indigo parce que rester comme ça c'est un bagage qu'on fait ensemble avec mental ou ensemble avec ça que on recevoir comme programmation ça que on tendez dans bouche l'autre monde et que ou pas vraiment ou pas même vraiment connait qui sont pas impliqués ou pas même vraiment connait ça va faire pour qui ça va faire parce que c'est mon bagage qui sorti dans l'âme son bagage que juste en des mon abdi mon nan dit c'est indigo mon nan dit c'est cristal et puis on envie ça tout donc c'est ça peut me dire c'est pas ça qui est important ça qui est important c'est qu'on tête ou qu'on est mission de vie ou entrer en contact ensemble avec higher self ou pour capable prendre place ou et comment pour participer dans éveil et conscience collective là bon côté mon ça me dit l'authenticité céleste ou humanoïde ou bien extraterrestre yo. Est-ce que vous jouez indigo là dedans ou est-ce que gagne cristal est-ce que gagne travail de lumière bon côté groupe entité ça yo bon et m'a prélé est-ce que vous jouez indigo parce que indigo en son terme que nous même être humain nous relé comme ça en fonction de couleur au rayo donc son être humain par exemple je parle de lycée Nancy Haiti et Antibes quoi qui sont américaines qui choisir relé indigo à cause de couleur au rayo mais c'est pas indigo que relé son titre que nous baio pour capable différencier vous comprenez mais nous parler de âme guerrière donc on parler de âme guerrière donc âme guerrière yo gain tout partout nan je pense que chaque civilisation ou bien chaque espèce a besoin des âmes guerrières parce que et capable dire gain des espèces qui hostiles gain des espèces qui gain des technologies qui vraiment avancées et qui capable et contrecarrer ensemble avec m'a dit qui capable contrecarrer avec la avec et ça va dépendre du niveau spirituel et espèce là que l'atteindre mais avec on sait de technologie et ou capable faire un pile et ou capable faire un pile mais ou capable causer un pile problème donc ça m'a dit faut gagner des guerriers spirituels y a un exemple simple par exemple on prend par exemple des monde qui a utilisé les connaissances non ça que nous les connaissances non scientifiques les connaissances mystiques et ésotériques on prend par exemple des monde dans le disons dans le 15e siècle qui t'a utilisé et genre de j'en capable dire genre de et connaissance ça yo OK donc disons que c'est une série de initiés qui gagne des connaissances ésotériques et mystiques et puis qu'on y a là prend une civilisation par exemple genre que nous y a là qui gagne au niveau de technologie comme ça monde qui gagne connaissance mystique là ça a toujours rivé que lui protéger lui de technologie que nous gagne yo ça va dépendre de niveau de connaissances que rien mais avec technologie en tout cas toujours blessé lui par exemple et disons que tu as utilisé armes nucléaires contre un monde qui a une connaissance mystique oui s'il était que tant qu'on aurait utilisé armes nucléaires pour qu'il préparer peut-être qu'il traverser dans l'autre plan et ça ne doit pas gagner il fait sur lui mais s'il pas connaît armes nucléaires l'a tué lui-même je l'a tué tout l'autre monde et l'a détruit environnement et monde n'a pas qu'à vivre là encore vous comprenez donc et oui même être spirituel yo ou bien qui que nous les célestiaux gagner des guerriers là-dedans parce que yo gagner des technologies qui vraiment puissant que faut yo que d'autres civilisations développées parce qu'en réalité et pas gagner yon différence entre bon, ça que nous les métaphysiques là mais ça que nous les mystiques là sont ensemble de bas de technologie non sont ensemble de connaissances scientifiques que nous-mêmes nous pouvons comprendre donc tout ça qui fait partie de la métaphysique et on l'a yo gagne pour faire partie de la physique que n'a étudié par contre comment on va régler par contre si l'a intégré dans la physique quantique ou bien non l'autre branche de la physique que on va bailler l'autre non mais tout ça qui mystique ou bien que relé magie que relé bagarre qui pas scientifique yo tout yo scientifique yo tout yo capable étudier yo tout yo capable démontrer yo tout yo capable reproduire c'est juste que
Et pour le moment, il y a une série de principes que nous pas connaît qui fait que une série de technologies que nous pas ca développer. Et des êtres qui connaît genre de principes ça yo, donc il arrive à développer des technologies. Si ça fait par exemple, il y a un être qui spirituel, il est capable, il a capacité pour l'entraînement mental, il y a un monde pour le contrôler. Mais il y a un être qui pas spirituel tout, mais il développer et technologie pour le contrôler mentalement. Vous comprenez? D'ailleurs, il y a une technologie ça actuellement là sur terre et actuellement là l'humanité est sous contrôle mental à travers plusieurs bagages que nous pas même penser, à travers musique que n'attendez, à travers ça que n'a consommé. Tout ça yo, il y a une technologie de contrôle mental derrière. C'est une raison que nous qui fait que nous carré et l'humanité et les gens que lient hein, c'est à cause d'une sorte de technologie de contrôle mental. Donc contrôle mental on ca faire l'ensemble avec technologie, même gens au café l'ensemble avec et incapable dit et capacité niveau de maîtrise et que au même on gagne niveau de maîtrise métaphysique que on gagne. Donc c'est juste pour montrer nos importance et guerrier et spirituel yo, guerrier spirituel yo gagne importance par pour capable combattre on série de technologie qui vraiment avancé qui capable blesser civilisation hein, ou bien blesser même si c'est pas blessé peut-être pas yo mais blesser d'autres civilisations qui sans défense. Donc il y a besoin de guerrier spirituel ça yo pour capable protéger yo. Mm-hmm. Un prêtre de l'église catholique ou pasteur ou moine tibétain est-ce que nous ca considérer comme des travailleurs et de lumière? Un travailleur de lumière, li ka yon paysan k'ap planté et un travailleur de lumière, li ka yon moun k'ap débourré tout rego. Un travailleur de lumière, li ka yon moun k'ap occupé le petit grand moun ki nan pension. Un travailleur de lumière, li ka n'importe qui moun. Parce que chaque moun gen mission pa yo, chaque moun participer nan bataille ça nan façon pa yo. C'est même avec yon nation ki en guerre. Nation en guerre, c'est pas seulement soldat yo qui nan combat. Soldat yo gen droit nan ligne de front, mais c'est pas celle yo même qui nan combat. Soldat yo besoin moun k'ap bay yo besoin moun k'ap bay yo manger. Donc moun k'ap fait manger pour soldat, li gen mission pal. Et s'il pa fait mission pal la, et soldat pa ka manger ou pa ka nan combat. Moun ki médecin yo k'ap soigner soldat yo gen mission pa yo. Vous comprenez? Gen moun ki pral pa konnen qui responsable transport yo, chauffeur yo, ou bien moun k'ap coude radio, ou bien quelque soit activité que moun a fait ya li lié ensemble avec et incapable di activité globale la qui c'est guerre qui n'a mener. Donc yo chaque yo gagné en fonction de talent yo chaque yo gen façon que yo participer dans combat que y a mener. Donc n'importe moun ka un travailleur de lumière, un travailleur de lumière li gen doit incarner nan comme si pour venir des planètes là où vivre et pour aider incapable di faune et flore là repousser parce que nous détruisons en pile espèce, nous coupons en pile vieux bois. Il y a un travail de lumière qui doit incarner pour venir participer dans reboisement. Donc on doit monter ça depuis le petit remet plante, il remet bête, vous comprenez? Depuis le petit il a fait bénévolat dans genre de bas ça, il prend propre cop pali et pour financer projet hein, aller dans zone qu'il pas connaît et bail des plantes, il fait monio planter, mener des activités tout ça parce que ça fait partie de mission li et son bail qui vraiment important pour capable dit pour santé planète là. Donc mission yo diverses mais et c'est pas seulement yon moun ki nan ligne de front qui ont travailleur de lumière. Donc il suffit que travail que moun na fait en li participer nan évolution conscience collective là pour que li son on travailleur de lumière. Par exemple travail ça qui a fait la PRG, un peu moun gen doit pas connait ni mais son travail qui très important. Comme ça tout par exemple gen doit un moun nan façon que pour le participer nan éveil de conscience là. Par exemple, un blogueur, il doit son travail de lumière. Travail c'est permettre que population gagne accès à une série d'informations. Vous comprenez? À cause de il est en gagner une sorte de popularité, il gagne une audience. Donc lui même qui ça que le fait, il partager des contenus ensemble avec et followers yo cap aider yo et grandir en conscience. Est-ce que le possible pour un criminel comme un travailleur de lumière? Alors maman, moi aller de comprendre ça veut dire. Un criminel cap détruit l'autre criminel cap déranger société. Mais quand il y a une petite criminelle, là, puisque c'est criminel, l'a tué tout. Mais quand même, quelque part, on a dit son bien l'a fait pour la société. Est-ce qu'on a considéré un élément comme ça comme un travailleur de lumière? Qui ça qui ont bien PRG? Ils ont bien li pa gen rapport ensemble avec action. Parce que yon action sou ba ki purement mécanique. Yon action sou ba ki purement mécanique. Tuer pa gen aucun sens. Tuer pa gen aucun sens, li pa bien, li pa mal. Donc, qui ça qui va déterminer
action ça, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal, c'est intention, c'est motivation. Est-ce que son motivation qui sortit de l'âme ou bien son motivation qui sortit de l'ego? Est-ce que son mission, est-ce que son bagage qui a participé dans le réveil de conscience collective là, ou bien est-ce que son bagage qui est là pour capable dit pour drainer énergie nous pour qu'embé nous dans la peur. Alors est-ce qu'on va dire un criminel quand on travaille de lumière? On va dire un criminel parce que automatiquement on dit un criminel dans son monde, on capable dire qui gagne des valeurs et morales que nous plus ou moins accepter entre nous, que lui-même n'est pas considéré. A dit son monde qui fait bagaille ou à sa guise, son monde qui fait bagaille ou à sa tête, qui pas aucun respect pour la vie. Donc monde ça lui-même les juste venir la tuer. Qui d'outillé yon innocent ou bien qui d'outillé yon coupable, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui détermine est-ce que vous êtes bon tueur ou bien est-ce que vous êtes mauvais tueur. Ça qui va déterminer est-ce que l'action que vous faites est juste ou bien pas juste, c'est comment l'action que vous faites lui-même participer dans l'éveil de conscience collective. Par exemple, disons que moi-même, c'est un monde qui porte des âmes et que moi arrêté en série de criminels. Si je suis arrêté, je suis seulement enfermé en prison pour pas nuit. Donc, si je tue, là, c'est l'autre bagaille. Là, c'est une question d'ego qui a parlé parce que déjà, je suis mis dans nos conditions et pour pas nuit. Vous comprenez? Donc, un criminel qui a tué un criminel, son l'autre criminel, même avec l'autre criminel qui a tué, parce que pas grand, ça paraît non plus bon. C'est même genre, par exemple, un monde. Et. C'est même par exemple yon moun disons que ou t'es qui t'es petit ou kay voisine nan pa bay petit ou manger et puis les petites voisines nan vin la kay ou pa bay petite voisine nan manger tout ça paraît non plus bon que voisine nan, parce que automatiquement réagit même gens ou pas vaut mieux que l'autre là automatiquement utiliser même moyen yo ou pas vaut mieux que moun qui t'ai fait bien que il t'ai fait l'avant ou pas vaut mieux passer li c'est ça que fait par exemple avoir un moun qui spirituel li pas chercher venger. Parce que soit le venger mon noir fait exactement même bagarre ou pas vaut mieux parce que vous faites exactement même bagarre avec elle ou fait un à un donc vous mettez au niveau mon nan donc ou pas vaut mieux parce que lui donc un criminel cap chasse criminel et par le meurtre il pas vaut mieux que criminel là parce que c'est deux mon yonti et l'autre de toute façon yonti et l'autre donc il pas vaut mieux parce que lui à moins que j'aime dire nous parler de intention ou bien ses missions, son mission d'âme, son mission de purification, son guerrier qui est incarné pour ça, et que c'est seul moyen pour le taka libérer nous de une série de bagailles. Même pas, j'aime croire que tuer moun, c'est seul moyen pour libérer. Je pense qu'il y a un autre moyen qui est capable de libérer la conscience collective. Là. Ça fait que il y a un travail de lumière, il y a un cristal, il y a un indigo. Gain arc-en-ciel, tous ces des travailleurs de lumière, ça fait en dépit de leur présence et puis modelant humanité dans état ça. Ba fin comprendre. Bon, OK. Mal bon exemple PRG. Et on prend par exemple ou on prend Doumdlo. On prend Doumdlo et par exemple, on Doumdlo l'appli. Et doum de la pisse ou pas kabre, ou sa soubel, ou sa kabre, ou te fait mal. Mais disons que doum de la pisse sa, ou mette yon comp, ou gen moun ki mette chlore, gen l'autre ki mette l'autre type de produit, bon m'bap cite non, parce que m'bap fait publicité. Donc ou mette produit à nan de l'eau pour kabre. Mais est-ce que automatiquement ou mette produit à nan de l'eau et fait yon tout fait? Non, produit à pour un homme de temps pour le faire action. Pas bien que son combat, et que n'a mené c'est même Jean PRG disons que toute planète là fait noir et que disons qu'il y a 10 indigo qui incarnent ça dit 10 indigo représenter 10 baleines donc est-ce que vous pensez que automatiquement 10 indigo ça va incarner toute planète là lui-même lumière la gaille sur yo non son travail qui a fait son bagage qui a propagé dans la conscience collective là par exemple baleine ça faut qu'il allume une autre baleine qui t'éteigne allume une autre baleine jusqu'à ce que on lui mette toute baleine qui gagne sur planète là. C'est même gentou l'un ti moun incarné dans une famille si famille a té gain de mauvaises habitudes automatiquement ti moun en fait là même s'ils sont indigo ça va veut dire que tout on a tout changé et bagaille au printemps et en réalité rien dans l'univers n'est pas brusque son wè ki brusque là c'est parce que et dans niveau de conscience ou pas assez rapide pour capter on va dire les détails du mouvement mais rien pas fait brusquement toujours gagne une nuance toujours gagne une courbe donc si moun non ou qui incarné dans famille automatiquement le fait famille pas tout changer
c'est plus l'app grandit, plus l'app travaille, et que moun yo pral commencer à observer comment li différent, et il pral gagner des influences sur yo. Mais déjà, nous capables de voir un paquet d'effets. D'ailleurs, actuellement, nous avons plus moun commencé à prendre conscience. Et journée, PSG, 20 ans de cela, si vous avez un channel comme ça, monsieur, qui va pas bien tout fanatique ça yo. Mais journée aujourd'hui, regardez tout le monde qui commence à intéresser avec la spiritualité. Tout le monde qui est religieux, mais malgré le religieux, il toujours qu'il y l'esprit ouvert. Longtemps, il y a un monde qui était religieux, était très conservateur. Quand il y a après grand pile religieux qui commence à gagner l'esprit ouvert, il commence à accepter et comprendre une série de bagailles. Et après, une série de monde, après plus monde qui commence à comprendre comment le système a fonctionné, comment il est sous domination, on va plus pour commencer à aimer bête, plus pour commencer à aimer la nature, on va gagner qui commence à mener des combats et contre le système là qui a détruit la nature, qui a détruit la planète là à l'échelle internationale. Tout travail ça a fait, c'est à cause de changement de ça, c'est à cause de présence de lumière ça yo, et c'est à cause tout de ascension planète là vers la cinquième dimension. L'ancrit s'est mouru, il dit l'attendre résurrection pour aller m'arrondir dans le ciel ou bien dans paradis terrestre. L'on vaudou isan li même li mouri, li zo li même li pral en bas de l'eau. Et l'on travaille de lumière li même li mouri, ki bol pral li même. Par exemple, un cristal, yon indigo, yon arc-en-ciel, qui sort qui réserve avec yo? Tout moun le ou mouri, en général, yon tout yon passe même étape. Tout moun le ou mouri, yon passe même étape. D'abord, qui sa mouri avant, c'est corps physique là. Et le corps physique en fin de mourir, ou capable de faire un séjour dans l'astral. Dans le plan astral, à travers le corps astral que vous gagnez. Séjour ça dans l'astral, là, va déterminer de comment vous vivez. Par exemple, si vous êtes un monde qui a une vie côté que vous émettez et des énergies de basse fréquence, et vous pouvez faire une expérience dans le bas astral, côté que vous pouvez vivre. Incapable de dire des bagages de basse fréquence autant que ça que vous-même vous tapez météo. Donc c'est ça que dans le langage chrétien il y aurait l'enfer. Donc qui tous sont vaudouisants, qui tous sont chrétiens, qui tous sont indigo, automatiquement corps physiquement mourir ou passer par le plan astral. Donc passage en ligne doit être très court, ligne doit être très longue. Par exemple, si vous passez dans le bas astral à cause de on vit mal scène que vous tapez mené, donc et ou cas tellement vivre des bagages en continu, c'est même Jean PRG et gen des bagages nous kon gen des bagages qui kon nan tête nous pendant 5 minutes nous kon senti on parle pendant 5 minutes mais 5 minutes ça son éternité relié pour nous. Donc ça fait parler de l'enfer éternel ou bien de étang de feu. Donc c'est pas un c'est un comme t'es capable de dire ça c'est mon bagage littéral mais c'est des tourments que on va vivre dans le plan astral à cause de ça qui même on t'a projeté et comme vibration et on vient tomber dans le plan astral qui correspond avec ça que t'as projeté. Donc si vie était basé sur la colère, sur la honte, on va tomber dans le plan astral côté qui basé sur la colère, côté qui gagne la colère ensemble avec la honte et que c'est expérience ça que on va faire seulement la colère et la honte parce que c'est ça que t'es projeté. Tandis que yon moun ki pi spirituel, c'est joli dans l'astral li gen doit durer dépendamment de bon, dépendamment de moun sa ki sa gen pou le faire, kon sa tout se joli ka pa dure, li passe par le plan mental, et se joli ka dure dans le mental, kon sa tout ka pa dure, avec sa pou le retourner dans le plan causal. Donc, tout âme yo passe par processus sa, yo tout âme yo remonte kon sa, passe par le corps physique qui mourit avant, après ça c'est le corps astral, après ça c'est le corps mental, pour retourner à joindre âme yo dans le plan causal, pour capable préparer une autre incarnation. Donc, et quitte ou quoi que l'homme mourir ou pral en bas de l'eau, quitte ou quoi que l'homme mourir ou pral dans paradis ou pral dans l'enfer, ça arrête en croyance, mais ça va changer l'effet que l'homme mourir va passer par l'astral d'abord pour passer par le mental après ça pour retourner dans le plan causal. Dernière question à poser et Fidnel François, et si on travaille de lumière, sous un indigo, un astral, un arc-en-ciel, un cristal, si on a même mission, pourquoi ça ne pas fusionner tête nous? Est-ce que nous pas fusionner tête non? Et moi bon exemple j'ai fusionné ça veut dire former un groupe parce que nous même être humain nous rien un groupe parce que groupe l'ant utile égo animal pour nous capable survivre. Nous t'es toujours qu'on est en groupe pour nous capable survivre dans milieu hostile. Mais moi bon exemple j'ai même dans film qu'on a regardé dans film les grandes missions qu'a fait soldats qu'on obligé déployer. Ça veut dire yo chaque yo déployer pour capable arriver à résultat plus vite. Par exemple si nous gagnons bah n'a chercher disons que nous ville nous non gros ville et que nous gon baraque n'a chercher dans ville ça. Donc
qui ça n'a fait pour nous chercher pour nous joindre bar en plus rapide. Si nous étions en groupe, n'a marché ensemble, n'a prend plus temps pour nous joindre, mais si nous dispersés nous, n'a joindre plus vite. Donc et c'est pas que Indigo bien travailleur de lumière yo pas travailler ensemble. Et nous qui n'avons pas ouais travail là qu'a fait ensemble, mais travail en lui-même fait ensemble dans l'autre plan. Ça arrive que avec Dieu que nous gagnons, ou bien façon que nous comprenons bagaille, nous pensons que et travail de lumière ça est séparé, mais en réalité au pas séparé. Il a fait des travail qui paraît indépendant, mais c'est comme si travail qui a fait les complémentaires. Indépendant que l'autre là travaille en Afrique, moi-même moi en Haïti, gon l'autre qui en République Dominicaine, gon l'autre qui dans l'autre pays, tout travail yo on capable dire au final il a fini par rencontrer parce qu'il a bail même résultat. Donc ce travail que m'a fait ali aussi important que travail en l'autre indigo dans quel que soit l'autre pays ou bien l'autre cristal ou bien l'autre arc-en-ciel qui tient en Haïti, qui tient en l'autre pays. Donc nous pas obligé former un petit groupe, un petit société ensemble côté que tout indigo rassemblé qui veut dire pour qui veut dire que nous travaillons ensemble. Automatiquement on travaille pour même cause. On travaille pour même bagaille et nous travaillons ensemble. Téléphone nous Fidel. Et ma bay numéro assistant moi de préférence, numéro assistant moi c'est 42 81 74 96. 42 81 74 96. Et nous capable suivre moi tout sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, nous on c'est Triple F Indigo 369. Triple F T R I P L E F Indigo I N D I G O et puis 369. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou Yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence, PRG, Pierre-Richard Guillaume-Fou.